Salut tout le monde! Aujourd'hui, je commence à mon vlog. Je viens de me lever. En ce moment, il est 10h25. Mais je me suis levée à genre 10h. Puis, c'est ça, j'aurais continué à dormir un peu. Mais, il faut que je me prépare pour aller au gym vers 11h. Parce que si vous le saviez pas, c'est ma troisième journée d'abonnement au gym. Ouais, j'ai décidé de m'abonner au gym. Je suis vraiment contente. Comme vous savez probablement, je joue au soccer. Et beaucoup. Donc, c'est sûr que ça va m'aider. Puis, j'adore ça, là, tout ce qui est entraînement, puis tout, là. Donc, ouais, je suis vraiment, vraiment contente. Puis, c'est ma troisième journée. Puis, aujourd'hui, on est vendredi. Je m'en vais au Igloo Fest à soir. Là. Puis je me suis inscrite mercredi. Fait que j'allais mercredi, jeudi et vendredi. Demain, j'y vais pas. Puis dimanche, j'ai ma game de soccer. Puis j'y vais lundi. Donc je voulais absolument y aller aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, je suis occupée parce que j'y vais. C'est pour ça qu'il faut que j'aille tôt. Parce qu'après, je reviens. Je me lave tout. Je me prépare. J'ai un rendez-vous. Après, je reviens. Après, faut que je reparte. En tout cas, j'ai tout dû filmer ça, là. Fait que c'est pour ça que je suis obligée d'aller au gym tôt. Que là, oh my god, que mes cuisses étaient. Ils sont raqués, là. Mercredi, la première journée, j'ai fait mes legs, là. Legs day. Puis, c'était. J'étais raquée, mais c'était pas super. Mais là, hier, j'ai fait un exercice avec genre que tu cours, puis c'est des marches, là, puis ça descend, en tout cas. Fait que je suis vraiment hackée, mais c'est pas grave. Hein. Je vais quand même y aller. Je veux vraiment y aller. Puis là, si vous me demandez, en ce moment, j'ai mon retainer. Là. C'est pour ça que j'ai pas ma peine habituelle. Là. C'est un transparent. Parce que hier, je suis allée porter des CV. Donc, je l'ai ôté. Puis là, j'ai pas pensé de le remettre. Là, fait que je vais le remettre bientôt. Puis là, je sais pas si je vais manger un petit quoi ou non. Là. Je vais voir. C'est ma petite grisette. Et qui est belle, hein? Oui. Allô, mon amour. Oui. Déjà. Je savais pas qu'elle était là. Puis là, quand j'ai ouvert mon rideau pour qu'il y ait un peu de lumière, mais je l'ai vu. Oh, j'avais mis mon drap genre un peu dessus, là. Ah, petite chatte. C'est ça, je vais me préparer parce qu'il est déjà rendu presque 10h30. Puis, on sera pas plus tard. Bon, fait que là, je suis prête à partir. Il est 11h06, donc je vais partir. J'ai pris une petite douche pour me réveiller. J'ai mangé une tranche de pain... genre de blé, pas de blé là, mais je sais plus trop le nom, là, de quoi de même, avec une banane. Là, je suis prête à partir, puis je trouve ça vraiment, là il neige beaucoup, mais quand il neige beaucoup, il fait moins froid, fait que c'est bon, tu sais, pour asseoir. Puis en ce moment il fait moins 16, puis à soir il annonce moins 9, fait que c'est vraiment pas si pire là, c'est beaucoup moins pire que ce que je pensais. Quand je reviens, il faut que je cherche, tu sais, que je trouve qu'est-ce que je vais mettre, parce que je veux quand même m'habiller vraiment chaud, parce que s'il fallait que j'aille froid là-bas, ça serait vraiment plate. Donc j'y vais tout de suite, puis on se reparle après. Allô tout le monde, donc ce matin je suis allée au gym. Ça a vraiment bien été. Là j'ai vraiment mal aux cuisses, encore pire qu'un matin là. J'ai de la misère à marcher, je suis juste pesée là. Vraiment mal, je suis vraiment raquée. Mais bon, c'était vraiment un bon entraînement, ça a duré plus longtemps que prévu là. J'étais censée partir de là à max et demi, puis je suis partie de là à genre 50. Fait que j'ai pas eu le temps de manger. J'étais allée dans la douche, laver les cheveux. J'étais allée à mon rendez-vous. Rendez-vous d'orientation. Ça a duré 1h05 et 10. Là, je reviens. Mais j'ai arrivé, j'ai fait mon sac parce que je couche pas chez nous en soir. Puis c'est ça, je m'en vais là. Puis je finis de préparer mes affaires. Mais là, je suis vraiment en train de comme penser parce que. Faut tellement que j'amène des affaires chaudes parce qu'à soir, faut pas avoir froid. Froid, c'est ça. Fait que j'ai emmené ma tuque flash.
Parce que je voulais les enfants flash, mais je trouvais rien. Parce que tu sais, quand tu vas à comme un rave ou quelque chose, c'est nice de s'habiller flash, mais j'ai ma tuque. Quand même assez flash. Fait que c'est ça qui va être flash pas mal. Sinon, je sais pas trop, là. Fait que c'est ça. Sinon, là, je suis en train de, tu sais, mes gants, mes plein de bas, des nanana, plein d'enfants de maman, c'est ça que je suis en train de faire, là. Je suis en train de faire mon sac, là. Fait que c'est ça, je pars. À bientôt! Hello, so là, il est 7h. Dans le fond, Igloo Fest commence à 7h, mais on va être un peu en retard. Et là, je me change. Je mets des couches en dessous pour être sûre de ne pas avoir froid. J'ai juste pas mes leggings en dessous de mes pants, là, mes cotons wattés. Pour être sûre de ne pas avoir froid, d'autres bas en dessous de mes bas. Je te dis, ça va être fou. Fait qu'on part, là, on est un petit peu en retard, fait qu'il faut se dépêcher. Je m'en vais aux toilettes, puis ouais. Je m'habille, puis on part, puis j'ai chaud déjà. Fait que c'est ça, on vient faire de manger. On va manger des hamburgers. Et c'est ça. À bientôt! On s'en va au Igloo Fest. C'est so cute! Yeah. Hey, what's up? On arrive là, on est au vieux port, on vient d'arriver. Ça a l'air vraiment nice, ok? Checker ça. C'est pas du bon bord là, mais comme. Je vais essayer de montrer. Anyway, il m'a filmé quand je vais être toute proche là. Mais il fait vraiment pas froid, genre. Je pensais vraiment qu'il allait faire plus froid que ça. Puis là, on est full habillé, genre avec 14 000 chandails là. 14 000 chandails, puis tu sais, quand j'ai mon cache-cou, j'ai genre deux paires de bas. Des bottes vraiment chaudes, c'est pas mes bottes habituelles là, c'est des bottes Columbia. Puis là, on marche. Puis on arrive bientôt. On traverse la rue. Puis ouais, c'est ça, j'ai vraiment hâte là. Ça a l'air nice, c'est de la lumière, mais on n'entend pas encore de la musique là. J'espère que ça va être quand même loud là, parce que, tu sais, dans le bas, je me primais avec la bonne musique là. C'est quand même vraiment chill. Fait que, c'est ça, je filme rendu là-bas. On arrive. Yes. On arrive. Igloo Fest. Yes! Je me demande s'il y a beaucoup de monde. Yes! Ouais. Fait que je vais vous emmener avec moi là. Il y a les scènes. Mais il y a pas. La musique est pas forte, je trouve. Tu trouves pas? Tu sais que la musique est pas forte là. Mais je veux dire. Anyway, je filme là-bas là. On s'en va rentrer. On n'a pas encore montré nos billets là, fait que ça devrait être bientôt. Tchou! Je viens d'acheter une tuque. Comme ça. C'est elle que je trouvais vraiment qui était la plus belle là, qu'elle me gossait. Je voyais tout le monde avec, puis j'étais comme, oh my god, j'avais. Elle coûtait 15$, je pense. Puis elle a trouvé vraiment nice. Anyway, je porte tout le temps des tuques et des casquettes, fait que c'est vrai. Nice.
samedi, il est midi 51. Puis, dans le fond, c'est ça. Hier, comme vous savez et vous avez vu, je suis allée au Igloo Fest le vendredi 6 février. Donc, aujourd'hui, je vais faire ma conclusion, dans le fond, comment j'ai trouvé ça, mon expérience et tout. Donc, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment super, super, super le fun. J'ai vraiment aimé, puis je regrette vraiment pas d'être allée. C'est ça, dans le fond, les billets étaient avec la taxe 23 ou 25, quelque chose comme ça. Puis c'est 18 ans et plus. Oh my god, le chien, il dit, oh, t'es trop... Oh my god, check ça. Ok, on en va pas. C'est un genre de rave, puis il y a beaucoup d'activités là-bas aussi. Quand on est arrivé, ça commence à 7h, c'est de 7 à minuit. On est arrivé à genre 9h. Il y avait beaucoup de monde qui se promenait, mais je trouvais qu'il n'y avait pas tant de monde genre qui dansait. Genre, parce qu'il y a genre deux salles, là. Il y a la salle genre Vidéotron puis l'autre. Là. Je pense que c'est à l'autre que je suis allée, là. Pas Vidéotron. Anyways. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas tant de monde, même aux deux salles, genre. Ben, tu sais, tout est dehors, là. C'est ça, mais c'était quand même vraiment le fun. On est allé prendre une photo. On est allé acheter une tuque. Une tuque, que ça, c'est pas la mienne, là, mais il y a elle, que c'est sûr que je vais emprunter. Puis il y a la mienne qui est dans mon sac, mais en tout cas. Que j'ai changé ma tuque, que j'avais mis ma tuque orange, puis je l'ai changée. Puis après, vers genre... Je sais pas si c'est 10 ou 10 et demi, le monde ont commencé à paf, arriver. Je vous le dis là ça, c'est là que ça a vraiment genre commencé là. Rendu à 11h, oublie ça là, c'était le gros party dans place là, genre tout le monde qui saute puis comme j'aime là, genre c'était vraiment nice là, genre c'était... Mais maintenant là, il y avait tellement de monde que genre on se faisait complètement pousser. Il y a deux fois que j'ai complètement failli tomber à terre, genre. Parce que le monde il poussait tellement. C'était. Oh my god, c'était tellement drôle. J'ai filmé un peu là, si vous avez vu. Ça poussait là, puis tout le monde sautait. En tout cas, c'était vraiment nice. Si je devais comparer Igloo Fest à Villa Paradiso, si vous savez c'est quoi là, c'est un autre EDM, mais gratuit. Je devrais voter pour Villa Paradiso pour la seule raison que c'est l'été. Je pense que c'est ça qui fait la grosse différence. C'est l'été, fait que, tu sais, c'est une ambiance différente, veux pas. Mais qu'est-ce qu'on a été vraiment chanceuse parce que, t'es vraiment chanceux parce que hier il faisait pas froid, pantoute, il faisait tellement pas froid. Genre, on savait, moi j'avais mis là, des kits, là, 40 livres de stock, là. Ouais, être sûr de pas avoir froid parce que moi, oublie ça, quand t'as froid, là, ça gâche ton fun. Puis j'ai pas eu froid pour deux scènes, pantoute, j'ai pas eu froid, fait que ça c'était vraiment nice, la température c'était super good, c'est sûr c'est pas comme l'été, mais c'était, je trouvais que ça faisait vraiment différent justement que c'était l'hiver, que justement tout le monde en manteau, en tout, tu sais, c'est vraiment le fun parce que c'est une ambiance complètement différente, là. Mais non, c'est ça, j'ai super apprécié. Si vous avez, là dans le fond ça finit genre à soir puis demain là. Donc si vous avez pas eu la chance, anyways, vous allez pas voir mon vidéo avant là. Mais pour l'année prochaine, sérieux, je vous dis, si ça vous tente d'essayer ça là, puis vous aimez les choses comme ça, allez-y 100% parce que c'est vraiment nice. Fait que j'espère que vous avez aimé mon petit vlog là. J'ai quand même essayé de vlogger beaucoup hier soir là, là-bas, mais c'était avec mon cell et non ma caméra, comme j'ai filmé là avec ma caméra. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez les vlogs, là, dites-moi là, puis je vais essayer d'en faire plus là. Mais c'est sûr que il faut que ça soit quand même des choses intéressantes là, mais quand même là, je pourrais en faire plus. Puis si vous avez des idées de vidéos, marquez-les moi. J'ai plusieurs vidéos qui s'en viennent pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous. On se revoit bientôt. Ciao!